Rarement, personnage de théâtre aura suscité des sentiments plus contradictoires qu'Horace. Sa vertu constitue-t-elle un modèle à imiter et à donner en exemple de patriotisme à la jeunesse, ou l'excès de virtus dont Horace fait preuve et qui le mène du duel livré contre son presque beau-frère à l'assassinat de sa sœur des armées ne suscite-t-elle que la terreur épouvantée du spectateur ? Marc Escola distingue parmi les critiques qui sont succédées les tenants d'une interprétation albaine qui préfère l'humanité de Curias et juge son rival comme une brute sanguinaire, et les partisans d'une interprétation romaine qui célèbre l'héroïsme inégalé d'un soldat dévoué à la cause de sa nation conforme au caractère romain développé par exemple par Guy de Balzac dans Le Prince. Plus près de nous, Horace... Corneille, Marc Fumaroli voit en Horace le prototype du magnanime désintéressé, du héros exemplaire capable d'un don de soi à une cause supérieure. Dans tous les cas, qu'on se représente Horace comme un stoïcien solaire ou comme Brasillach, comme un jeune nazi, lecteurs et spectateurs tombent d'accord pour reconnaître qu'Horace est tout d'une pièce, tendu vers ce qu'il pense être son devoir. Ce fils de la Louve, orienté vers le seul honneur de la patrie, sans être la proie de la déchirure ni du déchirement, sans hésitation ni scrupule, est un héros hors du commun, refusant les compromissions, bien sûr, mais aussi les hésitations. Contrairement à Rodrigue, Auguste, Polyeucte, Horace ignore le doute, ignore ce conflit de valeurs dont on fait parfois un élément constitutif du tragique. Son patriotisme le détermine entièrement. Pourtant, Marc Fumaroli nous a aussi appris à considérer les personnages de Corneille non seulement comme des héros, mais aussi et surtout comme des orateurs, qui n'existent que dans la parole qu'ils profèrent au sein d'un théâtre dont la dramaturgie est fondée sur la rhétorique. L'évidence de la vertu horacienne résistera-t-elle à une étude qui privilégierait cet angle strictement oratoire plutôt que l'approche morale ou psychologique traditionnelle ? Qu'advient-il de l'héroïsme prétendu du soldat romain dès lors qu'on voit en lui, plus encore que cette machine à tuer dont parlait Jean-Pierre Landry, une machine à parler, et en particulier à parler pour persuader. Le dénouement de la pièce constitue un laboratoire pour évaluer cette dimension rhétorique dans son rapport à l'héroïsme, et c'est ce que je me propose d'interroger ici. Alors, on ne rappellera pas l'intrigue qui est bien connue pour dénouer le conflit entre Rome et sa cité mère Albe, sans faire couler trop de sang parmi les soldats, souvent unis par les liens du sang ou des unions matrimoniales. Les souverains de chaque camp nomment des champions dont le combat à mort décidera de l'issue de la guerre. Horace, désigné par Rome, vient à bout des trois frères Curias, dont l'un d'entre eux est fiancé de sa sœur Camille. Celle-ci, au retour de son frère triomphant, laisse éclater sa fureur d'avoir perdu son amant, et Horace, pour la faire taire, la transperce de son épée. Sur ces entrefaites, le roi survient. Il est venu adresser ses félicitations au vainqueur et il découvre le drame qui vient de se dérouler. Il se trouve mis en demeure par Valère, amant éconduit de la défunte, de rendre justice aussitôt. Visiblement à contre-cœur, Tulle se sent tenu d'improviser un procès dans la demeure même de la victime, de la victime et de son bourreau. Les rôles se répartissent aisément. Valère tient lieu de procureur. Le père d'Horace, le vieil Horace, fait figure d'avocat. Le roi lui-même se réservant la fonction de juge. Sabine, sœur du Curias, épouse d'Horace, s'offre à subir la mort à la place de son mari. Réquisitoires, plaidoiries, jugements se succèdent dans de longues tirades qui donnèrent des scrupules au dramaturge lorsqu'il entreprit en 1660 l'examen de sa pièce. Ce cinquième acte est tout en plaidoyer, et ce n'est pas là la place des harangues ni des longs discours.
Ils peuvent être supportés en un commencement de pièce où l'action n'est pas encore échauffée. Mais le cinquième acte doit plus agir que discourir. L'attention de l'auditeur, déjà lassée, se rebute de ses conclusions qui traînent et tirent la fin en longueur. Ce jugement du vieux Corneille adressé à son double d'autrefois est bien sévère, d'autant que nous allons essayer de le montrer, discourir au théâtre, c'est agir. Valère, l'accusateur, intervient d'abord pour réclamer la peine de mort en châtiment du fratricide doublé d'un sacrilège et pour la sécurité du royaume. Il convient de préserver le peuple, dit-il, au nom duquel il prétend parler de la fureur d'un héros barbare. Sauvez-nous de... Qu'est-ce qui se passe? Bon. Excusez-moi, mon téléphone, voilà, fait des caprices. Et tout ça est enregistré en plus. Et je suis totalement perdu. Reprenons. Sauvons-nous de sa main et redoutez les dieux, résume au vers 1534 Valère au terme de son réquisitoire. Comme le soulignait Jean-Yves Vialton, Valère est un procureur d'une habileté redoutable, maniant tous les artifices du style judiciaire. Le roi somme Horace de se défendre. Défendez-vous, Horace, vers 1535. Et par un coup de théâtre dont le dramaturge est coutumier, le héros esquive. Il évite l'affrontement. À quoi bon me défendre? Alors, nous voudrions montrer que Horace ne cherche pas à éviter le combat, mais qu'il réagit en duelliste consommé, maniant la feinte et la parade pour contrer les coups de son adversaire avant de riposter à son tour. Je passe sur la magnanimité d'Horace. Voilà. Une stichomythie cinglante ouvre sa longue tirade. On ne tirera pas de lui le plaidoyer attendu. Horace refuse de s'expliquer et même abonde dans le sens de son accusateur. Il demande la mort dont on le menace au vers 1550. Il demande ma mort, je la veux, comme lui. À aucun moment on ne l'entend alléguer directement du moins son innocence, ni avancer d'éventuelles circonstances atténuantes, ni réclamer la pitié de son juge. Et à tout prendre, cette attitude correspond au caractère du protagoniste, à ce qu'on attend de lui. C'est un soldat, un soldat obéissant, discipliné. Je suis prêt d'obéir, il a donné l'exemple déjà de son obéissance. Quoi d'étonnant à le voir affronter avec détermination la perspective du trépas. Il est aussi un aristocrate, hautain, orgueilleux, trop orgueilleux pour s'embourber dans la chicane des tribunaux, défiant jusqu'au bout la médiocrité, quand bien même elle viendrait d'un roi qui d'un signe de tête pourrait le détruire, campé dans une intransigeance hautaine, enfermé dans sa gloire égoïste et amère, silencieux jusqu'à la fin de la pièce, il reste fidèle au personnage rigide qui, à l'acte 2, avait durement blâmé Curias. Horace incarne aussi ce néo-stoïcisme qui fut prisé au cours du 1er XVIIe siècle, dont on a parlé déjà, et dont Corneille est un des derniers représentants. Doué de la force d'âme qui convient au tenant de cette pensée, il acquiesce à l'ordre du monde au point d'accepter le sort qui lui est promis. Soldat philosophe, il embrasse la mort fatie et prend sienne pour la devise soustinée et abstinée, ne manifestant ni regret ni remords. Son aspiration à mourir, je la veux comme lui, je m'immole, peut, si on veut, renvoyer au suicide stoïcien, moyen toujours à disposition pour conserver sa liberté menacée. On songe à la fin exemplaire de Sénèque ou de Caton d'Utique qui préféra s'infliger le trépas plutôt que de tomber indignement aux mains de ses ennemis. Cette indifférence d'Horace face à la promesse de l'exécution peut aussi s'expliquer par des raisons plus métaphysiques que morales, à en croire en particulier Serge Dubrovski dans « La dialectique du héros ». Le soldat vainqueur, puis criminel, découvre le drame de tout héros qui, après avoir réussi son acte héroïque, peine à subsister longtemps dans ses hauteurs inaccessibles, vers 1569 et suivant. L'honneur des premiers faits se perd par les seconds, et quand la renommée a passé l'ordinaire, si l'on en veut déchoir, il ne faut plus rien faire.
pour survivre dans la mémoire des hommes, pour s'immortaliser dans cette réputation extraordinaire qu'il s'est acquise, pour garder à tout jamais cette renommée pourvue dans le texte original d'une majuscule, il n'est pour lui d'autre issue qu'une mort, déclare toujours Dubrovski, qui seul pourra le figer dans son identité héroïque. D'autant plus que l'occasion qui lui a permis de se distinguer risque de ne pas se reproduire de sitôt. L'occasion est moindre et la vertu pareille vers 1568. Un instant suffit pour ternir sa gloire aux yeux d'un peuple, un peuple qu'il méprise, qui voit tout par l'écorce, vers 1559. Alors s'il demande, comme Valère, à mourir, que la mort lui soit accordée, c'est pour éterniser sa renommée et non pour se laisser couvrir d'opprobre. Ainsi, au sommet de sa carrière héroïque, résume Dubrovski, le héros rencontre la solitude tragique absolue, il envisage cette aspiration à mourir, l'appel du néant. Et tous les commentateurs sont à peu près d'accord là-dessus. Aucun ne doute de la sincérité du personnage. Horace lui-même demande à être mis à mort, déclare Isabelle Lejeune, dans un commentaire qui ressemble un peu quand même à la paraphrase. John Lyons est du même sentiment. Le vouloir être héroïque détermine Horace à esquisser une théorie du héros caractérisée par un solipsisme volontaire, je cite, qui conduit à adopter les conséquences de l'adage de Solon, selon lequel nul ne peut se dire heureux avant sa mort. Horace fait écho à Solon, Montaigne et Sophocle. Il a déjà trop vécu. Et il ne peut donc que déchoir encore. Sa mort préserverait, partiellement au moins, ce qui lui reste de gloire. Emmanuel Minel envisage, lui, dans Le héros et le roi, il envisage bien une défense d'Horace, la possibilité d'une défense d'Horace, mais en fait, il n'exploite pas cette hypothèse et considère que l'intention affichée par Horace de se laisser mettre à mort est à prendre pour argent comptant. Pour effacer les conséquences de son acte meurtrier privé, Horace va être amené non seulement à accepter, mais à désirer les conséquences de son crime. Donc, les propos d'Horace seraient à entendre au premier degré, comme on dit, c'est-à-dire selon un sens littéral qui ne souffre pas la complexité. On n'imagine pas que le rude soldat puisse envelopper sa parole d'oripeaux sophistiques. On s'attend à ce qu'il dise clairement ce qu'il veut dire. Or, Horace est peut-être un peu plus subtil qu'il ne conviendrait à un brave guerrier. L'interprétation générale et unanime ne manque pas de se heurter à quelques éléments dissonants qui invitent à réinterroger la tirade sous l'angle de la stratégie rhétorique susceptible de s'y déployer. Horace, refusant d'être l'avocat de sa propre cause, pourrait se contenter de se taire. Or, il parle, et il parle longuement. Au fond, est-il vrai qu'il veuille ou même qu'il consente à mourir ? Ce sera deuxième partie. On a quelques éléments dissonants. Le ton, tout d'abord. Le ton qui entre en décalage avec le contenu du discours. Sous couleur de soumission, en fait, c'est l'orgueil hautain qui transparaît. L'arrogance du soldat blessé dans son amour-propre, vexé d'être traîné dans la boue des cours de justice par un souverain qui lui doit son trône. Il ne plaide pas coupable, il n'assume pas le fait qu'il est criminel. Mais qu'on le laisse s'immoler, mais pas à sa sœur. Que je m'immole, dit-il, mais pas à ma sœur. Je m'immole à ma gloire et non pas à ma sœur. Il ne veut pas mourir pour sa sœur parce qu'il considère que le geste qu'il a commis n'est pas un crime. Ni pour Horace, ni pour son père, Camille ne méritait d'être conservé en vie. Horace n'a pas l'intention de discuter d'un point qui pour lui est évident, mais dont il sait qu'il ne convaincra pas son roi. La patience à la raison fait place, déclare-t-il au moment où il assassine sa sœur. C'est pas un meurtre passionnel, c'est un acte pleinement réfléchi. Peut-être pas prémédité, encore qu'il arrive avec une épée toute prête à servir, quand même. Mais au moins, un acte réfléchi. La raison. De même, l'orgueil aristocratique peut être entendu comme un blâme adressé à son prince qui, en acceptant l'incrimination de Valère, légitime l'existence indue d'un peuple volage pour un héroïsme continu.
Il rappelle sans cesse son exploit, le bras vainqueur, il utilise la prétérition, je ne vanterai point les exploits de mon bras, prétérition. Et sous couvert de respecter son accusateur, il multiplie les insinuations, reproche à Valère de tenter de le salir, sous l'effet de la rancune et de l'amour déçu, poussé par son ressentiment, autour des vers 1547-1548, pour le discréditer aux yeux de son juge. Valère, suggère Horace, manque d'objectivité. Amoureux déçu de Camille, il n'est pas le mieux placé pour jouer le rôle d'accusateur public, parce qu'il est mû par un intérêt privé. Finalement, Horace met en œuvre une stratégie de défense qui est conforme à la fonction défensive du langage cornélien mis en évidence par Gilles Siouffi. L'abus du vocabulaire semé d'images convenues, les lauriers, le vocabulaire de l'honneur, la renommée, la gloire, autant de traits stylistiques qui sont caractéristiques, d'après Gilles Siouffi, de cette fonction défensive et qui constituent une phraséologie apparentant Horace à Matamor. Le Romain fanfaronne, remémore ses prouesses, provoque le roi, le mettant au défi de le châtier pour complaire au peuple. Il use et abuse une première personne omniprésente. Mon bras, mes trois combats, ma gloire, mon honneur, ma main, mon sang, un homme tel que moi, ce que j'ai fait. Bravade identitaire, comique dans la bouche du fanfaron espagnol, mais qui sert ici une stratégie défensive concertée. Allons plus loin. Horace, sûr de son bon droit, se présente, pour qui sait lire ou entendre, comme innocent, le plus innocent, vers 1539. Et le plus innocent devient soudain coupable. Le plus innocent, c'est moi, suggère Horace. Je suis non seulement innocent, mais le plus innocent. Simplement, le regard déréglé du roi ou l'imagination dépravée du roi le transforme en coupable. Si tu le crois coupable, qu'il en soit ainsi, mais si telle est vraiment l'opinion du roi, elle n'est qu'une croyance erronée et non un jugement fondé sur les faits. Ce que vous en croyez me doit être une loi, marque d'allégeance pour le moins relative envers l'arbitraire du pouvoir, à laquelle le héros n'adhère que de bouche et non de cœur, par devoir à l'égard de l'autorité qu'il respecte. Drapé dans son orgueil de héros tout-puissant, grisé par son discours, sûr de son innocence, c'est pour finir une récompense qu'il réclame. Une récompense méritée pour sa prouesse au vers 1592. Et si ce que j'ai fait vaut quelques récompenses? Tournant quand même. Mais alors, s'il est aussi sûr de sa cause, pourquoi est-ce qu'il ne se défend pas? En fait, ce que je voudrais montrer dans ma troisième partie, c'est qu'il se défend. Simplement, il opte pour une stratégie bien plus efficace que l'affrontement direct et le discours judiciaire. Il opte pour la voie du discours délibératif, et j'en viens enfin au sujet du jour. Il était temps. Donc, l'essentiel du discours n'est pas constitué par un plaidoyer, mais par un conseil. Son discours vise à toucher non le vrai et le faux, objet du discours judiciaire, mais l'opportun et l'inopportun, l'utile et l'inutile, caractère du discours délibératif. Tout son propos suggère que son bras est un rempart dont le souverain ne saurait se passer. Il lui remet sous les yeux sa prouesse et souligne à demi-mot qu'une autre occasion comparable à celle qui a permis à Tulle de soumettre Albe peut se représenter. C'est rarement, vers 1556, c'est rarement que se présente une occasion semblable. Il est bien malaisé qu'une autre se présente vers 1574. Mais ça peut arriver, malgré tout. Que ferez-vous alors sans moi? Horace ne refuse de situer son discours sur le terrain du judiciaire que pour mieux occuper celui du conseil. Il se croirait déshonoré de devoir justifier un meurtre devant un peuple méprisable, qu'il considère comme aussi héroïque que son combat. Et il est sauvé, puisqu'en tuant sa sœur, il a sauvé Rome des malédictions qui risquaient d'avoir des conséquences funestes sur la ville. Le vieil Horace l'expliquera dans la tirade qui va suivre. Mais il n'est pas indigne à Horace de parler en conseiller du roi. Il affecte de négliger son propre intérêt et il fonde l'efficacité de son discours sur le bien de son juge, qui est aussi son roi. Au monarque de mesurer les effets de son verdict. C'est à nous de croire, vers 1543,
Il nous croit coupables, hein, notre sang est son bien, c'est à nous de croire, alors qu'il en dispose, qu'il ne s'en prive point sans une juste cause. En présentant sa mort comme une privation pour le roi, il suggère bien le risque que prendrait le souverain d'éliminer le plus sûr soutien de son régime pour des motifs aussi futiles que le meurtre d'une sœur coupable. En plus, Horace persifle, Rome ne manque point de généreux guerriers. Vers 1589, l'ironie laisse assez entendre, il n'en se trouve aucun aussi brave que lui. Et le roi sait bien qu'il ne dispose pas d'aussi vaillants soldats. Horace n'est pas loin de brandir la menace dans une tirade qui peut être lue tout entière comme une antiphrase. Horace ne propose au roi son sacrifice que pour mieux lui montrer que sa survie est indispensable à la sûreté du jeune royaume, du royaume du Latium. Le discours d'Horace est donc réversible, à ce titre baroque, hein, à en croire les analyses de Gérard Genette. La maladresse apparente du Romain est en fait une suprême habileté oratoire. Il parle en rusé conseiller, plus qu'en stoïcien consentant à mourir. Je saute quelques exemples pour aborder dernière partie sur la vertu d'Horace. Cette stratégie d'éloquence mine la construction héroïque chère à Dubrovski et invite à regarder le personnage d'Horace d'un œil différent de celui qu'on jette habituellement sur ce prétendu monolithe de vertu romaine patriotique. Le glissement du judiciaire vers le délibératif invite à considérer sous un autre jour la question de l'héroïsme cornélien. Sophiste opportuniste, attaché à sauver sa vie en flattant l'intérêt du roi au détriment de toute morale, Horace serait-il un politique au sens de Prusias, égoïste, n'ayant en vue que sa propre sauvegarde, je reprends les thèmes employés ce matin par Ariane, silhouette obscure et susurrante, conseil pernicieux, figure du mauvais conseiller, est-ce que Horace se réduirait à cela? Nous serions loin de la figure du magnanime décrite par Marc Fumaroli. La vertu dont se targue le Romain tiendrait davantage de la virtu machiavélienne, définie comme habileté à s'adapter aux circonstances et à soumettre les moyens aux fins, qu'à la droiture obstinée des vieux Romains. La vertu répond à l'occasion. Au vers 1557, coupe dont on connaît l'importance chez le penseur italien, Horace se flatte d'avoir habilement saisi l'instant favorable, le kairos, hein, que la fortune a placé devant lui. Il avait déjà employé ces arguments-là devant Curias. Le sort qui de l'honneur nous offre la barrière offre à notre constance une illustre matière, et comme il voit en nous des âmes peu communes, hors de l'ordre commun, il nous fait des fortunes. Et Curias avait répondu ironiquement, l'occasion est belle, il nous la faut saisir. Donc Horace serait donc un héros machiavélien, mais aussi également un être de fuite. La tactique qu'il emploie à l'acte 5 invite à regarder rétroactivement son comportement pendant la pièce. Horace, qu'on considère volontiers comme un héros paradigmatique, entre en fait dans cette catégorie des héros de fuite mentionnés par John Lyons. Sa méthode favorite consiste à simuler l'esquive, quitte à passer pour un lâche, afin de mieux asséner sa riposte. Procédé au demeurant assez peu orthodoxe, assez peu honorable et assez peu digne de l'éthique aristocratique, je ne sais pas si on s'en est suffisamment avisé. Mais ça lui avait très bien réussi sur le champ clos à l'acte 3, et il l'emploie de nouveau au moment de son procès. Il ne feint d'abandonner le terrain que pour mieux l'occuper, il ne feint de fuir la parole que pour mieux prendre ses adversaires, Valère, le roi, au dépourvu. On aurait d'autres exemples dans la pièce de dérobade du héros, en particulier devant, au moment de sa confrontation avec Sabine. Son père lui dit « Fuis, fuis, la fuite est honorable. Bon. » Et bien Horace a compris la leçon. Il sait fuir quand il faut fuir. Donc Horace, humain, trop humain, qui rejoindrait la galerie des médiocres, calculateurs, mesquins, abrité derrière une vertu qui n'est faite que d'oripeaux mensongers. Bon, on va peut-être pas pousser trop loin le goût du paradoxe, surtout que le temps m'est compté. Mais au fond, que sait-on d'Horace, de l'aveu même de Louis Erland, qui avait longuement étudié la pièce, nous ne savons rien d'Horace. Je vais aller plus vite. Pourquoi est-ce qu'il veut vivre? Il veut vivre pour sauver sa gloire. Contrairement à ce que dit Dubrovski, ce n'est pas sa mort qui va sauver son image, c'est sa survie. Parce que Camille l'a poussé au crime, l'a provoqué pour le pousser au crime et ainsi provoquer sa déchéance.
Si effectivement il se laisse condamner par le roi, il donne raison à Camille. S'il se laisse condamner par le roi, c'est parce qu'il est coupable. Donc il lui faut vivre pour continuer, pour persister dans sa gloire. Et autre motif, peut-être un peu plus honorable, s'il y a machiavélisme chez Horace, c'est peut-être un machiavélisme du bien. Il sait que sans lui, Rome, sa patrie, sa chère patrie, risque d'être en péril. Donc il lui faut vivre pour sauver Rome. Conclusion. La pièce ne s'achève pas avec les propos d'Horace. La plaidoirie qu'il ne prononce pas, son père va s'en charger. Je n'ai pas le temps d'en parler, je n'avais pas prévu d'en parler. Mais le vieil Horace va se contenter d'expliciter tous les sous-entendus des paroles de son fils. Il va confirmer la culpabilité de Camille. Il va faire valoir l'utilité politique de sa conservation. Ce qu'il a fait pour elle, il peut le faire encore. Ce qu'il a fait pour Rome, il peut le faire encore. N'ôtez pas à ses murs un si puissant appui. Tout ce que sous-entend Horace, le vieil Horace, va le dire tout crûment. Cela dit, qu'est-ce qui va convaincre le roi d'innocenter Horace, ou du moins de l'exempter de peine? Ce n'est pas la défense du vieil Horace. Il va dire, non, il n'est pas innocent, cette énorme action, en fait, presque à nos yeux, outrage la nature et blesse jusqu'aux dieux, vers 1733-1734. Ce qui va, si le roi ne va pas châtier Horace, c'est parce qu'il sera convaincu par le discours d'Horace lui-même. Il va très bien saisir la portée délibérative du discours de son soldat, le bon conseil que lui donne son soldat, il va comprendre que la mort de Curias et même celle de Camille lui ont été utiles. Je vous renvoie au vers 1741-1753 qui prennent acte de l'utilité d'Horace, et donc on est vraiment sur le terrain du délibératif. Donc ce n'est pas au nom d'une évaluation du juste et de l'injuste que Tulle va rendre son verdict, mais en fonction de l'opportunité politique de sa décision. Par-delà des règles morales qui ne valent que pour les médiocres, le héros reçoit un permis de tuer, license to kill, à condition qu'il serve la patrie. De pareils serviteurs sont au-dessus des lois. C'est en cela que Horace est tragique, par-delà le bien et le mal. Pourquoi? Alors, petit élargissement, très 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 rapide. Pourquoi, alors qu'ils sont à peu près dans la même situation, Horace est sauvé et Suréna condamné? La comparaison entre Horace et Suréna est traditionnelle depuis longtemps, entre le flamboyant romain et le parthe beaucoup plus mélancolique, qui s'est rendu suspect aux yeux de son roi pour l'avoir trop bien servi au cours de campagnes militaires victorieuses. Horace envisage, bien avant Suréna, la fragilité, l'échec peut-être de l'héroïsme, écrit Dubrovski. Harriet Stone aussi a relevé les points communs entre les deux héros. Mais alors, d'où vient, s'ils sont si semblables, Suréna est tué qu'Hérode élimine Suréna, quitte à périr lui-même, comme dans la fable africaine du scorpion et de la grenouille? Alors, Dubrovski avance des hypothèses politiques. Horace incarne au temps de Richelieu l'espoir d'une alliance possible entre l'aristocratie et le pouvoir royal. 30 ans plus tard, Suréna appartient à une autre époque, désenchantée, sans illusion. Il représenterait la mélancolie d'une noblesse exclue du pouvoir après l'échec de la Fronde. Peut-être. Se pourrait-il que l'explication de ce contraste soit moins idéologique et plus rhétorique? Suréna, plus là qu'Horace, baisse les bras. Horace, plus soucieux de sa gloire, feint l'indifférence pour mieux assurer une défense paradoxale mais efficace, car fondée sur le seul intérêt du royaume auquel sa survie importe. Kedan, Arma, Togae. Si Horace est sauvé, c'est parce qu'il est, plus encore que vaillant héros, habile orateur. Je vous remercie de votre patience.